du coup. Vu que j'ai changé de tenue, je laisse les gens réagir comme dans les films de Marvel. C'est bon. Bon, ton professeur m'a envoyé ton pré-bulletin du premier trimestre. Et je dois dire, dégueulasse, j'ai jamais vu des notes aussi basses que ça. Donc, après t'avoir laissé pendant 2 semaines jouer aux jeux vidéo, il est temps de rattraper ton retard. Ta Xbox, c'est terminé. T'as intérêt à bosser. Vas-y, sérieusement. J'étais bien, en plus il y avait le retour de Fortnite et tout. Réviser, c'est bon. Devant toi. Non, l'autre devant toi. Ça va, beau gosse. Moi? Bah, t'es tout seul dans la pièce. Tu me parles vraiment là? Ça te dit de jouer un peu avec moi? Ah, écoute, daron là, il m'a collé là, laisse tomber. Quoi? Ouais, il m'a dit pas de jeux vidéo et tout, parce qu'il faut que je révise un peu plus. Mais moi je voulais qu'on joue et qu'on fasse plein de parties et tout. Chut! T'inquiète, il est pas obligé de savoir. Tu veux jouer maintenant? Vas-y. Yes! Je savais que t'allais jouer. J'étais juste pas moi, c'est elle. Elle m'a parlé, elle m'a dit de jouer. Oh la poucave. Et en plus t'accuses des jeux vidéo. Tu vas subir les conséquences. Ok, là c'est bon. La balance des blancs. Parfait, ni vu ni connu. Oui, ça marche, je suis en plein dedans là. Ok, ben c'est bien, fiston, c'est bien. Merci. Tu sais, Steven, quand tu joues aux jeux vidéo pendant longtemps, t'as un tic. Ah bon, lequel? Bah, c'est tu louches un peu, hein. Ah bon? J'étais pas au courant. Depuis quand t'as les lunettes? Bah, ça fait un moment. Ah bon? Mais tu m'as même accompagné pour en acheter? Ah non, c'était pas prévu ça. C'était pas prévu. Non, il y a 6 ans, t'as pas fait comme ça. YouTube, les parents dits pro. Surtout pas oublier de s'abonner, de mettre la cloche, de commenter, partager. Commente quelle vidéo que tu veux qu'on refasse. Reste aussi les BD, top 1, top 2. C'est important. C'est Steven, tu as un tic quand tu joues. Ça, c'est quoi? C'est que tu louches un peu, hein. Mais pourquoi tu dis ça? Voilà, t'as vu? Normalement, t'as pas les lunettes. Donc tu vas les enlever tout de suite. Oui. Enlève tes lunettes. Oui. Enlève tes lunettes. Oui. Enlève tes lunettes maintenant. Maintenant de quoi? Maintenant. Maintenant quand? Maintenant. Pourquoi maintenant? Maintenant. Maintenant? Maintenant. Ou après? Enlève tes lunettes. En fait, non, toi enlève tes lunettes. Attends, comment ça, moi? De toute façon, si j'enlève mes lunettes, je ne sais rien. Je ressemble à Olivier après. Ah bah merci, hein! Enlève maintenant tes lunettes. On le fait à 3. Ok. 1. 2. 3. Ah, il m'a eu. Excellent. Oui, bon, d'accord, ça va, je louche, oui. Ah, c'est nouveau comme technique ça. Technique de l'architecture. Oui. T'es en train de réviser, hein. Ouais, je révise là, ouais. Là, franchement, je suis grave motivé et tout. Donc là, je suis sur la physique chimie. Franchement, c'est super intéressant. J'ai appris vraiment beaucoup de choses. Et c'est bien, je progresse. Et tu travailles sur quelle leçon? L'ébullition. L'ébullition. J'ai une question. L'eau boue à partir de combien de degrés? 100 degrés? 100 degrés, hein? Justement, je l'ai appris grâce aux leçons. Et franchement, si, c'est vraiment super intéressant. Hein. T'as soif? Ouais, j'ai soif, je veux un petit thé. Et toi? Non, ça va, mais tu sais qu'il y a la bouilloire qui est dans la cuisine. Tu sais, j'ai appris pas mal de choses aussi en physique. Bon? Tu savais que les appareils électroniques chauffent? Ah bon?
Bon. Tu connais la chanson, hein? Ah non, ah non! J'avais tout prévu, j'avais tout bien fait! Vas-y! Saw you paint a picture of a face. Bon, les enfants, je reviens, je vais aller faire une petite course. Ok! Et là? Là, je vais jouer, attends! Car pour l'être, t'as le coup, j'aime pas jouer, frère. Attends, pifou! 20 minutes later. Deux top 1 d'affilée, j'ai trouvé. Allô? Ouais, fiston. Juste pour te dire un truc, je sais que tu joues. Hein? De quoi tu parles? Bah, le truc, c'est qu'il y a deux caméramans dans la chambre qui t'espionnent. Ouais, n'essaie pas à leur faire coucou. Bon, ben, comme je peux pas te punir, donc c'est maman qui prend le relais. Allez, bisous. Ah, j'ai toujours rêvé de faire ça. Ok, papa n'est pas là. J'ai viré les caméramans. La console en économie d'énergie. Maman regarde les années shopping. Donc là, je suis bien. Là, je suis bien. Je peux jouer en paix. Allez, je vais la classer là maintenant. Plus sérieux. Ivan ? Oui, maman ? Papa, tu dois t'arrêter les ! Pourquoi faire ? Je sais pas, regarde ! Bonsoir à tous et bienvenue au journal de 20h. Ce soir, avant d'attaquer les infos du jour, nous avons un invité exceptionnel. Un père de famille en colère qui souhaite parler d'un sujet assez spécial. Bonjour. Monsieur ? C'est à vous. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Philibert Pibro. J'espère que ce message sera entendu et respectera mon opinion. Steven Yann Pibro, je sais que tu joues. Quoi ? Sache, mon grand, que je vais te sauver. Ce n'était pas ce qui était prévu. Prochaine fois, toi et moi, 1v1. Steven, t'es mort. Monsieur. Steven, t'es mort. Ah oui. Monsieur. 9 secondes, même pas. Mais... 7. Monsieur, c'est un message assez violent que vous... Taisez-vous ! C'est bon, calme-toi. C'est le début d'une nouvelle ère. Bonne chance. Vas-y, bref. Du coup, au programme, première info. Like, commentez, partage. Je reviendrai plus fort. Je réserve du lourd. Pour les prochaines vidéos. Révise ! Oui, ça va, je révise, c'est bon, ça va.